lolenge ya Fifi Masuka parce que yindi ayebi ko ayeba ki koza la publicité meilleur gouverneur ya RDC. Alors moi je me pose la question qu'au tal comportement na yoana député national, député provincial, gouverneur, sénatrice. Moi je me pose la question en quoi en réalité et les publicités la première gouverneure qui a bien géré sa juridiction ou son entité. Moi je me pose des questions. Or d'esprit wana il faut te bannir yango. Et Congo, les lobos, on ne peut jamais prendre en otage. C'est comme si, bon, vu que Congo a la compte à rendre, il faut la période, il faut la nuit. Non, ce n'est pas ça. Parce que la constitution, en réalité, il y a un principe, une grande ligne, va reconnaître l'élection, va reconnaître ses sacs, va reconnaître cours des comptes. Maintenant, ils ont renvoyé compétences par des lois organiques. Au moins, chevauchement, le lingue est au salam. Au moins, guerre d'esprit. Il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois. Tant que yo, au lobby, t'as la même attitude à Mbosso, a changé complètement. Qui peut croire à l'urgence à Mbosso, à côté de Téléma, pour bloquer l'institution? Alors, lui aussi nous doit. Ce qu'a lingue, Bissot va accompagner un changement, c'est qu'il faut appeler sa Bissot ministère tel. Quand on peut, président Mbosso à lobby, président Vital Kamerhe à lobby, président Bemba Alobi, président Yepé Lelo a commis président Sama Lukonde. Alobi, au moins que le président va être pour ne pas oublier. Donc au moins que Bango peut bazar la quoi politique la Bango parce que bazar la député. Mais lorsque Bango peut bazar au Senga, va pèse à Bango ou ya Bango parce que Bako plus jamais il n'y a aucune action sans intérêt. C'est comme ça que nous disons en droit. Tout ça, ça fait peur à l'État, l'État. Mais exactement, c'est l'État qui ne sait pas la politique. C'est-à-dire les hommes qui incarnent les institutions de l'État. C'est exactement ça, rien d'autre que ça. Mesdames et messieurs, bonjour de partout, vous nous suivez ici sur Damas Télé. Nous vous saluons de partout, vous êtes partout dans le monde. Nous vous demandons de partout, vous êtes de vous abonner massivement ici, Nakati, à Damas Télé. Damas Télé, nous sommes toujours concentrés sur les actualités, ici, Nakati, à République démocratique du Congo. Une fois de plus, nous recevons Maître Roger Kessé, un communicateur, Nakati, à parti politique SID, parti cher, il y a Martin Fayoulou. Robeta Massolo, autour de la politique, il y a plein de choses qui se passent. On a vu la nomination, il y a Premier ministre, Madame Judith Suminwa, Nakata Primature, jusqu'aujourd'hui, pas toujours des gouvernements. Nous allons parler encore à ce qui se passe aujourd'hui, Nakata République démocratique du Congo. La guerre est interminable à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler avec Maître Roger Kessé. Maître Roger Kessé, bonjour. Oui, bonjour, Ndeko journaliste. On a sépélé Makasi Lolenge Damas Télévision. Et qu'on visite Bissot parce que ça, Mbala Libosote, tous les cannabis sont déjà, malgré ça, que y en a bandé comme sous, bah, qu'on benga Bissot, Maître Roger, ou les cacalissous souté. Permettez. Maître Roger, le calissous souté, les camounini, d'habité. Na robenga ndeko journaliste akoya toko discuter concernant ba question ya mboka na biso oyebi ke makambo lolenge za koleka donc eza malamu mingi te eza mboka na biso kanga monoko te eza kosenga biso nyonso ba congolais il faut to lobela yango et d'ailleurs parti na ngai ezangisa ki eba ki ko organiser conseil national yango et thème majeur ezala ki sauvons la RDC du danger. Donc, thème au Bozak au Mona Eza et Outina Conseil national Abisso. Donc, Baction Abisso ces derniers temps, Eza dirigé concernant la situation Eza Koli Kalambo Kanabisso, des ordres dans quatre institutions, des colonies Baza Okoufana Est et Ambo Kanabisso. Donc, nous sommes obligés à reconcentrer les forts Nabisso Nyo Sopoete, Teba Kolongi Sambo Kanabisso en danger. Sauvons les Congos. Sauvons les Congos. Quel danger principalement?
Bon, bah danger eza ebele makaso yebi ke mboka na biso ezali mboka oyo etondi na kita. Et soki boza makasi tant en tout cas à chaque instant bah oui bah qu'on envahir yango et non seulement ça au moins qui va bilo qu'on ezako leka en complicité avec les nationaux et longo na bandeko o baza ko kamba d'institution mboka na biso. Bref année yomo kozali na kati ya mboka ozako mwa lolenge makamo ezako tambola, c'est compliqué. Donc on a c'est vrai, nous sommes obligés à expliquer le danger, mais en réalité, la moto a vivre à Wayebi déjà au cannabis, ils ont souffert d'un problème nini. Au moins, il y a quatre institutions aujourd'hui, même le gouvernement, ils ont obimaté, au moins, il y a des bateaux, 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 balkaniser le cannabis, Kobumabandeko, tu vois tout cela. Et ali danger permanent où ils ont guetté beaucoup la biso oyo biso bah il a décidé et l'on a le président Elie Martin Fayulu. Nous sommes mobilisés tout comme ça le peuple congolais parce que yende mutaza ko sunga biso davantage enfin que toye bako bundela mboka na biso se bako mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Voilà un peu bah danger oyo d'une manière ramassée oyo mboka iza ko vivre na yango. OK. De l'entrée des jeux, vous avez parlé bon, d'un slogan, d'un thème au Bozo poursuivre, sauvons le Congo d'Idan. Tout ça est plus explicite par rapport à notre question. Oui. Aujourd'hui, on voit la même personne ministre, la même personne gouverneur, la même personne sénateur, la même personne députée nationale, la même personne députée professionnelle. Je ne sais pas, quels sont vos sentiments par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la classe politique congolaise? Bien, en réalité, ce que moi je peux dire, yango naza ko lobela ngo pa oza esprit à égoïsme. Ata, bon, pour citer quelques-uns, lolenge a fifi masuka parce que yende ayebi ko ayeba ki koza la publicité meilleur gouverneur il y a RDC. Alors moi je me pose la question quant à la comportement naïo on a député national, député provincial, gouverneur, sénatrice. Moi je me pose la question en quoi en réalité et les publicités la première gouverneur qui a bien géré sa juridiction ou son entité. Moi je me pose des questions parce que tout départ du cerveau, de l'intelligence, de l'intellect, de la morale. Pendant que vous avez un peu de temps, vous avez et tant que vous avez en réalité, vous avez un peu de temps. Na bisika na nyonso au moins que ba otia mutu moko boye azana e étiquette c'est justement pour ba ko répondre na ba besoin ya parti politique na ye mbonga kozwa et continue na ke sa parti après yenda bandi ko gérer yango or besprit wana il faut te ba ko bannir yango et Congo lelo boye on ne peut jamais prendre en otage. C'est comme si bon vu que Congo ezala compte à rendre na biso il faut na péro na biso tozwa nyonso. Non, ce n'est pas ça. Compétence, moutounia moutou la compétence na ye, il faut couper sa chance pe na batou moussousou. Vous comprenez? Pour, en réalité, moutounia moutou la valeur ajoutée na ye. Donc, valeur personnelle. Tant ou déjà s'occuper la fonction en a, et qu'on permettre ye na oyo, idée oyo yo zaki na ngote, nga na ye nango, et tombo limboka. Mais tant ou za, toza la même batou, même pensée zo circulé à quatre institutions en réalité, je ne crois pas qu'il y ait le quoi malongé. En tout cas, je regrette beaucoup en réalité le comportement oyo ba congolais bazana yango. Pourtant, tous en mboka o ezali yo, ils ont respecté principe ya géopolitique, vous comprenez, géopolitique et bien plus que gestion ya mboka, il faut bana nyonso ya toutes les provinces ba se retrouver na kati ya institution ya mboka. Mais de voir la manière qu'on est en train de gouverner aujourd'hui, c'est comme si bazako kamba gestion ya mboka nanko pour na koloba ki eza tour na biso parce que tozoyo kayango par-ci par-là bato ba ko lebelango et maintenant c'est notre tour. C'est pourquoi biso eloko wana en réalité tozo linga yango te ezo déranger biso makasi. Vous comprenez, c'est non seulement fifi masuka parce que tobeta sete mingi na yete
même baba tu yoki yango mais babimba wana et consort là yango mona ke il faut absolument et le monde peuple congolais tu bako changer classe politique. Non non non, parlons de la classe politique là, c'est un peu l'homme congolais, c'est l'homme congolais. Est-ce que vous ne trouvez pas que aujourd'hui c'est important de toucher à la constitution, de changer un peu les choses, parce que si on change un peu les donnes, on change un peu les choses, ça va permettre un peu de revoir un peu certaines choses, de tika un peu vide comme ça, de se représenter un peu dans l'échéance, dans l'élection. Est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui de toucher à la constitution pour recadrer un peu certaines choses? Bon, na yoka ki ndeko Félix Oloba, question à la changement, révision, normalement peut-être yé selon esprit na yé, ezaki révision, vous comprenez, mais mon okobimi si changement, parce que on ne peut pas changer la constitution, parce que moi je ne vois pas ici ka oyobako changer les constitutions, je ne vois pas en réalité. Mais pour la gestion yamboka, moi mais je crois on peut bien pas faire que rien moutou à quoi qu'on la à qu'on se représente dans les chances de sélection. Est-ce que on ne peut pas revoir ça aussi au niveau de la constitution? Non non, qu'on représenter question on a ezana carte à constitution na bisoté. Ezali na loi électorale. Parce que constitution en réalité y est aya kana ba principe, ba grande ligne, ba reconnaître élection, ba reconnaître si sac, ba reconnaître cours des comptes. Bah, maintenant, ils ont des bazos renvoyés compétences wana, par des lois organiques. Le coup la CENI a la loi organique naie, vous comprenez, a coupé qu'au statuer la question wana. Abike, et d'ailleurs il y a ils ont écouté ça la honorable Sisanga. Na législature passée a ébako proposé une proposition allant dans ce sens là que Moutou, ce qui a postulé exemple les députés nationaux. Mais si Kalanion sont en réalité à quoi déposer une candidature T. Faut donner la chance à d'autres personnes. Non, ils ont été rejetés. C'est simplement pour dire que c'est une question de la loi électorale. Ils ont une question il y a Mobe Koli Kouzite. Parce que Mobe Koli Kouzite, le yemo kwa zali, ils ont empêché ni le man de Kochi Lomboye Bako Kambamboka. C'est justement, c'est une question de spiritualité. Spiritualité. Oui, de spiritualité. De ce qu'on ne voit pas. Non, c'est de l'intellect. C'est cette absence-là. Parce que ce côté article, pour exemple, parce que j'ai travaillé sur ça, sur le pouvoir du président de la République, mon mémoire de licence où j'ai travaillé sur ça, natikali komonate et si ka yo constitution ko bloqué permettait président de la République, natikali komona yangote, parce que en étant lui talan exemple article 69, ils ont pris sa président de la République pouvoir extra constitutionnel, extra légal. Tant qu'on reconnaît garant un bon fonctionnement des institutions. Et si tu as c'est-à-dire tu peux intervenir. Parce que bah, il faut déterminer nombre combien d'institutions tu es. Donc, bah, lobby institution, quel que soit au niveau central ou national, provincial, local, tu peux intervenir en étant président. Il y a au moins la question qui va nommer Ata Boukoumestre Moutaliboso, Azak ou remercier le président de la République, à se rendre hommage. Donc, vous voyez que, à sa institution, il y a ceux qui connaissent majeure et ça. Vous comprenez? Tout d'abord, c'est la personne. Pour les lobes, c'est vrai, c'est un conseil entourage. Mais ceux qui n'ont pas de caractère, ceux qui n'ont pas de caractère, en réalité, tout le monde a toujours tombé dans les mêmes erreurs. Prenons les cas de sa conseiller. Et que toi, tu as tous les pouvoirs absolus. Et moi, en étant conseiller, aucune loi qui garantit mes droits. N'a qu'occupé au comment la porte, toi, tu me dis que maître Roger, aujourd'hui, tu n'entres pas, tu rentres à la maison. N'a pas la place, on a beaucoup de recours. Parce que ils ont pouvoir, ils ont reconnaissance. On dit que n'a pas la conseiller. Vous comprenez? Alors, protéger, moi, Lipanaye, permettez-la sur la philosophie, sauter, pas téléspectateur, va comprendre philosophie. Ok, allez-y. Idée. Vous comprenez? D'office, nous allons protéger le paix que je gagne pour Naïbako Sungalibota. Vous comprenez? Alors, pendant que toi, tu as tous les pouvoirs absolus, quel que soit aux alentourages, en réalité, au tomber toujours dans le débat. Il faut tout d'abord l'homme.
Parce que la carte à constitution, en réalité, quel que soit, on dit nous sommes dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Non, nous sommes dans un régime mixte. Est-ce que vous reconnaissez, que cette constitution a été taillée sur mesure, il y a Joseph Kabila? Mais ce qui constitue, ce qui est taillé sur mesure, il y a, à profiter d'un mot. C'est pourquoi j'ai dit, c'est non, une question de... Non, en fait, le peuple congolais et l'État congolais est profité. Non, ils ont la taille sur mesure d'une personne. Non. Ils ont la taille sur mesure de l'État. Dans le lobby, hein, tant que la loi fondamentale, le lingue na simbi yango awa, yango yobande kobo tala yango, tant qu'ils ont reconnaître droit au travail, hein, est-ce que ils ont taillé sur mesure na Mais je ne pense même pas lorsqu'il y a rien l'idée du tout. De changer. On vous a reconnu, prenons l'exemple de ces droits-là. On reconnaît à tout le monde les droits au travail. Oh, les lobos, en réalité, à table, le bioté, on vous a appelé, on a déposé soi-disant. Maître Roger Pièce. Mais non, pourquoi ça vous dérange aujourd'hui? Pourquoi ça vous dérange lorsqu'on parle de la révision ou changement de la constitution? Pourquoi ça dérange? Constitution et coquille qu'on change. Ah, c'est vrai. Peut-être on pouvait réviser parce que la bande de Komoussou, c'est parce qu'on réclamait que Ndenge Baye va constituer en réalité inclusivité et nationalité. Peut-être ça dérangé Bango. Moi, Baye va causer un amour kabakamba institution réalité. Vous comprenez? Ndenge peut-être ma mission la mission. Mais selon nous, peuple congolais, côté la Nyon, c'est ça pour les cas. Gestion. Il y a ma BOI on décotu l'ombre qui ont imposé ma Congolais. Il n'est pas attitré. Il y a qu'à prendre initiative à réviser la constitution. En réalité, ce n'est pas lui. Et non seulement, loi fondamentale et qu'on jamais qu'on la réviser dans ma condition. Pour Ezali, Eza, volonté populaire. Vous comprenez? Et non seulement ça. Dans la situation autour de la Congo, on ne peut jamais réviser, soit toucher ou changer, quoi que ce soit, la constitution. Parce que nous sommes sous un état de siège, vous le connaissez très bien. C'est l'article 219 qui interdit. Pendant cet état-là, on ne peut jamais toucher on à la constitution. On peut lire ça parce que vous avez la constitution. J'ai la loi fondamentale, l'article 200. Parce que la constitution elle-même reconnaît. Non, non, il y a la matière où c'est interdit, c'est verrouillé, on ne peut pas toucher. Comment ça, maître Roger? L'article 219 dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. C'est ça la loi fondamentale. On dit aucune révision constitutionnelle pendant état de siège. Donc on ne peut jamais venir dire. Non, on a que parlé encore. Moi, je vais état de guerre. C'est ça. Exactement. Mais on a énuméré la question. Oui. Vous êtes juriste et maître de votre état. Lorsque Joseph Kabila en 2011 a révisé la constitution, la RDC était dans quel état? Mais non. À l'époque, on avait, c'est vrai, peut-être on pouvait dire qu'il y a eu des émettes. Parce que je pouvais dire même que ce sont des émettes congénitales. Mais on n'était pas sous l'état de guerre ou sous l'état de siège, non. Et jusqu'à présent, au Congo, personne n'a déjà déclaré la guerre. Nous sommes sous l'état de siège. Et l'article 220 de la Constitution dispose... La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors, la logique où on déco Félix, c'est un esprit naïe, parce qu'il y a un apôtre, il y a un apôtre en étant le roi soleil. Il y a un apôtre, si on révise, il y a un apôtre, mandat présidentiel. Mais moi, parce que selon son esprit, si on révise, tout homme
Moi, je ne sais pas. Il peut revenir encore. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi nous sommes en train d'interroger la lolenge Mboka et continuer à motomakas avec gestion naïe et pas y baza qu'on détourne. Bambongo ya 100 jours na quinquennat na Liboso. Ndeko nani ndeko Vital Kamerhe ayeba considéré. Mais je vous l'ai dit parce que Vital Kamerhe ayeba kotanga ndeko Félix plus d'une fois. D'ailleurs, ma top secret, monsieur, je ne peux pas dire ça à la télévision. Mais au pouvoir, je peux te dire que le lenge nini même bande komusu ba yeba ko saba problème nakati ya procession. Vous comprenez? Donc, il y a des problèmes sérieux. Quand la mandat Liboso a plongé sur le voyage, il y a des promesses. Le mandat mi bala lobi qui est derrière, il y a passé, il y a répété, on lui sous-souté. Mais il y a un hasard qui continue. Aujourd'hui, Atika n'a jamais voyagé, même un simple voyage dans la province de Ngolo-Pakala. Mais ce qui a totalisé le loboué, le nombre de voyages, ou à Sali, d'ailleurs, na tuki livre nanga, a commis déjà le 19e voyage. 5 mois où Assali n'a pouvoir en étant président à deuxième mandat. Il a dit, vous voyez déjà que il a dit, il a des sérieux problèmes. Il a congolais. Il a dit, il connaît le bonheur des congolais. Donc lorsqu'il voyage comment, comme ça, parce qu'il sait par où se trouve le bonheur des congolais. Ndekonanga Tozaki et Longona Yoawa a réalisé plus de 275 voyages dans le mandat Liboso. A porté les Bissoni. Rien du tout, aucune solution. La deuxième. Selon vous, maître. Non, non. Oui, par moment, conseil, on peut s'en vous comprenez? Ati kaba distraction à l'étranger. Ati kaba complication au Lukaka soki ange Gabriel. Ce n'est pas l'étranger. Il faut, afin dans la mboka naye, à concentrer dans l'institution nyonso, à la contrôle. Il y a l'institution nationale. Provincial local. Mais il se bat. Pour permettre, il y a des tireurs de ficelles dans ce qui se passe à l'est du pays. Il faut aller voir et discuter avec eux. Au moni est, il y a un mot cannabis pour une solution. Vous comprenez? Ndenge Azabongo, c'est vrai. Par moment, Pepo, Assili Sapo, projet aussi la peine à mandat a été. Il faut tout d'abord te barrer la top secret à défense Nabiso. S'il s'agit à créer, pour former une génération, où est-ce que pour implanter usine y a armement dans mon cannabis, et la top secret n'importe qui a quoi y a ngoté. Et la secret entre yé na moutoua kouya parce que ça, selon le principe de continuité de l'État, a bandi déjà politique et défense y a mon cannabis. Parce que avec lui, problème à est ou est à aussi la thé. Et ça, c'est tout un processus. Tant que yé a koko manasou kanaya mandat à talise que au moins la province boué. Tous les gens qui ont été formés par génie, ont formé par génie, ont eu la possibilité de créer des missiles, des armes qu'on sort là, tous les gens qui ont été alors, si on a pensé que c'était lancé offensif, et ça là, d'une manière généralisée dans Bangounia. C'est justement ça. Mais ceux qui ont été amenés à battre, ils ont été agressés, ils ont été agressés, Rwanda. Après, tant que vous avez été abattu dans Macron, dans la Simanae, Rwanda, Kindaki, a signé un corps militaire na France en cas d'agression. Donc, France a eu pour intervenir na cas à Rwanda. Donc, au moins, déjà, que on ne fait rien du tout. Ce qui peut-être a la poste pour réaliser un rêve, na ye, pour nous ba rêve. Tant que vous avez côté, tu as des projets, tu as quoi que ce soit. Mais tant que vous avez maintenant pour réaliser un projet, ce qui va voyager, na ye, et ça pour accomplir un projet, na ye, bah, revois à qui n'ango, c'est vrai, c'est normal. Félix, tu sais que mais pour la solution, pour la solution, il y a un la bisou en tout cas, va voyager. Non, vous allez moi la poteau, ça ne dit absolument rien. Non, vous allez moi la poteau, ndeko, écoutez, vous allez moi la poteau, il y a la place où sont comaté, manque à moyen. Combien il y a à qui la poteau, combien la foule à coûter à la président à la France ou bien la président à la Nania, la roi à la Belgique, combien de fois? Mais tant que j'ai ma coquille, j'ai opportunité, c'est pourquoi peut-être il est en train de réaliser ses rêves. C'est ce que moi je peux déduire. Yoza moana kin awa. Vous comprenez? Il y a la place où on se comment péter. Ça arrive. Ce n'est pas pour dire que yoza moana poto ke, poto nyo se komi ya yo. Donc, si on se komi ya yo, tu peux aller, tu peux rencontrer n'importe qui. Azaki moana poto, atika, j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme.
ou à Bengaza dans le projet éloquent, mais jusqu'à présent, en tout cas, on réalisé un autre petit mandat ici, et après ça, il passe par diplomatique. Donc, en tout cas, nous avons révolté Bissot. Nous parlons de la RDC, parlons de la République. Oui. Donc, ma Congolais, mon beau sanaté, tous allés dans Silogan, et le monde a président, il est Martin Fayoulou, sauvons la RDC du danger. Alors, danger et ça permanent. Alors, ça demande une révolution collective, l'usage de l'article 64 de la Constitution, enfin, Tebako, mettre un mot cannabis au Nazela. Pour trop, c'est trop. 65 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on a fait? Absolument rien. Donc, dit à ma papa, la bise, on a mis sur la maille. Donc, il n'y a pas de autant que la fierté, autant la fierté, ma valère, oyo. Papa n'a mis le monde va dégager parce que si réellement tu es pas au discours n'aie la matérialisation comme le mot zala oezate, mais hélas nous sommes obligés à retirer Malambo cannabis au Bundela. Mon peuple congolais et surtout la jeunesse, tout ça la grande responsabilité. Merci beaucoup, maître Roger Kiesse. Aujourd'hui, il y a plusieurs jours depuis la nomination, il y a premier ministre madame Judith Suminwa. Jusqu'à ces jours, sorti à gouvernement, ça tarde. Ça tarde. Or, le pays est dans la situation manque d'urgence. Je ne sais pas quel est votre regard par rapport à la sortie. Il y a gouvernement, ça tarde, on ne sait pas. Sénateur, gouverneur, je ne sais pas. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci, Ndeko journaliste. Je pense que je l'ai toujours dit, c'est l'homme. C'est l'homme. Et ça, tel que Naza contre Ndeko Félix, vous comprenez. Et d'ailleurs, je lui dois du respect en étant mon oncle. Au Atanga d'école primaire et l'ongona maman ou Abotinga, maman la biologique. Vous comprenez. Et je ne suis pas contre lui. Quand je dis c'est l'homme, au moins politique. Politique, c'est une question aussi d'apprendre et de l'intelligence. Et la sagesse aussi, il ne faut pas oublier. Au moins il est fait déjà, yo. Président de la République, na débit ya mandat na yo. Je sais que c'était par oubli. Ya Rolobake, je dois changer la constitution. Tant que batu o bazo ko accompagner yo na changement wana. Ba yo ki ke ah c'est que intention à chef na biso. Ye azana posa ba ko changer constitution pour atikala na pouvoir. Alors Bisso totindi ba liste na biso balobi ke te bino te na kata ba parti na bino boza pe na batu ba militant et ba membre ba cadre botinda ba kombo na bango. C'est que biso nde toza boepe, il faut te ba ko s'imposer ezali kambo ya gato ye alingi atikala biso pe toza obligé ba ye ba ko respecter ba demande na biso. Au moins, le chevauchement, le ligne est au salam. Au moins, guerre d'esprit. Il y a des fois, il y a des fois, il y a tant que yo olobi, t'as la même attitude de Mbosso a changé complètement. Qui peut croire à l'allégeance de Mbosso à côté de Téléma pour bloquer l'institution? C'est parce qu'il y a moi déjà qui est tellement désaboué. Là, il faut la garder la fidélité. Fidélité, loyauté à l'égard du chef de l'État. Alors, lui aussi nous doit. Ce qu'a l'ingi biso te va accompagner un changement wana, c'est qu'il faut appeler sa biso ministère tel. Koto pe président Mbosso alobi, président Vital Kamerhe alobi, président Bemba alobi, président Yepe Lelo a commis président Sama Lukonde alobi, au moins que ba président ba été pour ne pas pour ne pas oublier. Donc au moins là que bango pe ba bazan na poids politique na bango parce que bazan ba député. Mais lorsque bango be bazako senga ba pesa bango oya bango parce que ba copie jamais il y a aucune action sans intérêt, c'est comme ça nous disons en droit. Alors on ne peut jamais accompagner quelqu'un na changement ya constitution pendant que bango ba oliate yango monake bango pe ba bloquer liste à bureau définitif ya assemblée nationale ba tie ba kombo na bango ba tie ba kombo bana na bango tanga uti na ba voyage na ye alobi que te si c'est comme ça to suspendre Kasai Oriental. Na kata bureau définitif azate il faut te revoir bino ba leader politique ba différentes plateformes politiques boya na ba liste ba député na bino après on va statuer de voir comment nous allons partager les postes
Mais tout ça, ça fait peur à l'État, l'État. Mais exactement, c'est l'État qui ne sait pas la politique. C'est-à-dire les hommes qui incarnent les institutions de l'État. C'est exactement ça, rien d'autre que ça. Ça, c'est une question privée. Oui, Zaké, il faut régler en gros entre bango. Alors, nous, on ne peut jamais intervenir la collectivité. C'est une question privée. Il ne faut pas régler en gros. On ne peut jamais intervenir. Mais c'est l'État, le peuple congolais. Si aujourd'hui, ça tarde toujours de sortir à gouvernement, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui meurent dans la République démocratique du Congo? Exactement. Mais c'est l'État congolais. Oui. C'est le peuple congolais qui souffre. Donc, vous, étant que l'opposition, vous, étant que des hommes éclairés par rapport à ces choses, vous devez faire des choses. Vous devez pousser la population. Vous devez faire réveiller la conscience de la population que nous sommes dans une situation d'urgence. Omoni, tout d'abord, Ndenge Bango Moko, babandi ko prendre conscience petit à petit et zo ça la vie au plaisir et à comprendre que souffrance est amakasi. Non, l'opposition elle les a bandi. Non, il faut pas, pas soi. Au moins même si na ba mboka o za développé le roi la France, les États-Unis. Il y a un soulèvement moko les États-Unis wana. Pona makambo za o leka na Gaza. Et za opposition te et Zali ba force vive. Et Zali ba confession religieuse. Vous comprenez? Non seulement opposition. Et Zali ba stricture, voilà ba force vive. Voilà et consort là. Ozo salake, éveillé, pe baza la grande responsabilité. Pourquoi pas l'église? Parce que moi, j'étais enseigné par le grand professeur Odimoula Lufunguso que l'église, c'est identité de pression, hein? Identité de pression qui veille, qui est à chaque instant aux côtés du peuple, qui veille à ses intérêts. Donc, Babisikana, c'est ma responsabilité à partager. Nous, on ne peut jamais agir à l'ordre dispersé. Dans la résolution, à bientôt, nous allons mettre nos batteries sur le champ. Mais maintenant, tout ce qui peut, conscience collective et ça là. Aujourd'hui, bonne chance, votre reconnaissance. Reconnais que le seul opposant au Congo, c'est Martin Fayulu. Merci beaucoup. Il y a aussi Moïse Katumbi. Non, ce n'est pas Moïse Katumbi. Il y a qui Jacquine Dalaté pour ne pas le citer. Alobi qui est Moïse Katumbi a un nombre de pouvoir. Les propos de Jacquine Dalaté, oui. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui a dit ça. Non. Au moins, il y a des naboué. Moutoua Kosaote, il y a vérité. Il y a ce qui se passe au sein, il y a parti Nanga, qui est Martin Fayulu. Donc, oh, yoki on a Jacquine Dala, et Zali version 20, Moutako Saote. Ce n'est pas pour dire, autant pour dire que non, ils ont à propos à Jacquine. Non! Azali membre, Azaki membre actif et ensemble, il connaît toute la politique de ces partis politiques. Maître Roger Kessé. Donc, ne pensez nous pas que... Nous connaissons un peu l'histoire, oui. Il y a la séparation, il y a tout le parti politique, comment ça se passe. Il cherche à faire le mal là où il vient pour se faire non. Non, ce n'est pas tout le monde. Là, papa n'a pas le roi Pierre Kangoudia, à l'ONU, à l'INC sans bruit. C'était sans bruit, mais il y avait des choses qui se passaient entre Vital Kamerhe et Pierre Kangoudia. Non, c'était secrètement, pas publiquement. Non, c'était mais pas lui, secrètement. À l'état, tout le monde voyait Kangoudia faire son parti. Mais exactement. Mais oui. Le problème, c'est quoi? Il a quitté froidement, sans faire le bruit. Okay, merci exactement. Beaucoup. C'était un réel plaisir merci. De vous recevoir au cours de cette émission. Je ne sais pas quels sont vos derniers mots que vous pouvez adresser Nebeli à Congolais, Bakoswali Bakwa pour la Daviso. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Ngai et l'eau qu'on a coquille pour le bana peuple congolais en général. Que vous avez comme moi la lolenge, Bandeko Bazako Koufa. Vous avez comme moi la lolenge, Banzela et ça complètement au béba. Vous avez comme moi la lolenge, vie sociale et ça pour se dégrader. Vous avez au moins l'arrestation. Vous avez au moins le réchauffement climatique. Oh, bah, pensez à qui m'ont na COP 20 jusqu'à présent, peuple congolais, a tika la s'est retrouvé na bah milliards de bimaté. Vous avez au moins que Ndeko Félix,
azonge libéraire na ye o ya passé o ya lobaki ke il faut à corriger ba voyage yangwana ba twaza ko yiba bambongo ba membre ya famille politique na ye ba komi ba roi na kati ya institution amboka et quelqu'un qui n'a pas le pouvoir o monake ba ke ko fuka melaye o bino o monaki tant ba nommé premier ministre à créer une église catholique dans la grotte. L'église catholique, ils ont la 10e rue. À quelque fou comme la maman Maria. Maman Maria, bino mo boye biye. Alors, c'est à vous de prendre la responsabilité. Boye ba kote le mabo bundi la mboka na bino. Voilà un peu de journaliste. Et là, on a la koyi koloba. Merci. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être avec vous durant toute cette émission. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement ici, Nakati Adamas Télé.